de sécurité qui baille un niveau de gangstérisation que nous gagnons là. Et il y a un chef de gang qui sortit de dernière année, ça y est, c'est Vite l'homme innocent dans Torcel. Monsieur, dans une déclaration, le fait, il dit que le déconne rencontré avec vous. Est-ce que, et vous pensez, et il va pas important pour clarifier la rencontre ça y est, avant, vous fait bilan de gangstérisation et PHTK pendant 10 dernières années, ça y est? Belle question. Vite l'homme innocent pour Valéa, moi, pas jamais parlé avec Vite l'homme dans le téléphone un jour. Moi, pas qu'un téléphone Vite l'homme. Vite l'homme, pas qu'un téléphone. Moi, pas jamais rencontré Vite l'homme un jour. Ça veut dire, moi-même, André Michel, je tout dis ça pour tout le monde. Je fais politique, je choisis de faire politique. Mon série d'activités, je ne jamais dans les noms là-dedans. Ma jambe dans le drogue, ma jambe dans tout le monde, ma jambe dans l'assassin, on choisit l'un. Toute bataille politique, c'est avec bouche pour me faire. Tout combat politique, c'est combat dialectique. Ça veut dire, on est capable toujours d'éviter l'homme, puis de parler, puis de lancer dans la radio. Mais moi, on n'est jamais capable de joindre le côté un jour, moi, rencontrer, éviter l'homme, parler avec éviter l'homme dans le téléphone. Je n'ai pas de rapport avec le chef de gang. Je choisis de faire droit, je suis avocat, je choisis de faire politique, et je n'ai pas choisi de rentrer dans le phénomène d'antitérisation. Et ça, pour même mon adversaire politique, m'a dit tout, ben, on ne peut jamais entendre des autres dans la drogue, on ne peut jamais entendre des autres au moins dans le blanchiment, on ne peut jamais entendre des autres au moins dans la corruption, on ne peut jamais entendre des autres au moins dans le contrôle. Par contre, nous sommes qui clean et on bataille pour conserver. On ligne de combat, on ligne de conduite, parce que on pas sorti n'importe côté, on s'est petit, on s'est qu'un paysan. Maman, c'est ton marchand de quincaille. Ok? Ça veut dire, on entrepreneur à vendre quincaille dans Bellance. Dans Tiote, c'est une raison qui fait un bien avec le grand pile, parce que maman, tu connais le commerce à Kaïdi. Papa, c'est ton entrepreneur agricole, papa, tu connais une vendresse, papa, tu connais une plantéiame. J'ai été élevé de la dignité. Je ne vais pas me chanter dans la vie. Parce que je ne vais pas me faire pas. Le jour où je rentre dans la droite, je vais tuer cette femme. Le jour où je vois mon tueur, je vais tuer cette femme. Je ne vais pas me faire. On est qui crime. On est vite longtemps pour commencer par aller matin, midi, soir, si on voulait parler, mais jamais, je ne vais pas me faire un rapport avec voyou comme ça, avec des rétents comme ça. Ce n'est pas seulement vite longtemps. Je ne vais pas parler avec aucun voyou, je ne vais pas me faire un rapport avec aucun chef. Ou sorti dans le peuple là, à un moment donné où tu es identifié comme avocat peuple là. Donc je dis à nous très loin peuple là. Et si nous avons gardé réaction là, et pendant tout le temps nous avons parlé avec vous là, et c'est pas comme ça ça a été avant. Là, nous avons parlé d'un divorce. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ou d'un divorce en tout même et peuple que ou tu as défendu à un certain moment? Je suis toujours le défenseur du peuple haïtien. Mais le combat politique, le moment, côté, il y a des gens qui décident de divorcer avec la population. Il y a des gens qui choisissent de André Michel, l'adversaire farouche. Si on a des attaques, nous fait sous moi, pendant les 15 derniers mois, depuis qu'on a fait une décision pour me signer, à 11 septembre 2021, dans notre SDP, parce que nous estimons ces choix ça. Bon, s'il y a des quantités d'attaques qui font sous nous, quantités de bagailles sur les réseaux sociaux, il y en a qui fait 200 comptes Facebook pour attaquer, il y en a qui fait 500 comptes Facebook pour attaquer. Mais on pourrait se poser la question, qui ça André Michel fait? André Michel va jamais drogue, il va jamais doyer monde, André Michel va jamais occuper aucun poste dans l'État, André Michel va jamais corruption, André Michel va gagner l'argent. Mais qui ça fait? J'ai signé un accord politique. Nous avons signé l'accord du 11 septembre 2021. Mais madame Michel, avocat de ton État. Qui donne finir ça, madame Alexandre, s'il vous plaît. Nous signons un accord ça, parce que pour nous, après l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a l'autre champ pour participer, dans porter solution, c'est dans un accord politique, dans un dialogue. Aujourd'hui, et c'est très important, tout le monde qui se passe 15 mois à critiquer mieux, suivez mon regard. Ils ont toujours dit qu'il y a rentré dans le processus de dialogue-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre option. Heureusement pour le pays,
Et ça fait que ce soit dans notre esprit. Processus de dialogue, que ce soit dans notre SDP, que ce soit dans notre commission de dialogue en septembre, nous battons bravo le fait que, enfin, tout le monde comprend qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est le dialogue qui est la seule option. On dit, malgré tant de paroles dialogue, même temps face à Jovenel Moïse. C'est vrai, face à Jovenel Moïse, malgré tant de paroles dialogue. Parce que sous Jovenel Moïse, il y a eu le massacre de la Saline. Sous Jovenel Moïse. Et vous faites dialogue là avec Ariel Henry, sous Jovenel, où tu dis, c'est barbecue qui t'est proposé. Donc Jovenel Moïse, par là, on comprend, mais Ariel Henry là, c'est pas barbecue que t'es proposé, Jovenel Moïse dit. Qui a dit ça? Ou t'es fait une déclaration comme ça, madame Michel? Non, mais j'en vous fous dans Ma jambe pour l'envie, mon arrière. Depuis 1999, le fait que rentrer dans la politique en tant kid, parce qu'Ariel était dans le pantra, Ariel était dans l'espace de concertation, il était leader, il était dirigeant, pas de co-dirigeant. Madame Jean dit ça sur Ariel. Nous avons toujours une bonne relation personnelle avec Ariel, comme médecin. Pendant toute période de bataille politique, nous, il y a un monde qui est blessé, c'est quand Ariel nous mène. Madame Jean dit ça sur Ariel. Attention, moi j'ai dit, alors qu'on connaît ce journal. Ce journal, c'est un massacre à Saline. Ce journal, c'est un pétro-caribé. Et la Cour des comptes dit, Jovenel Moïse lui-même participer dans le pétro-caribé. Bon, même moi j'ai dit, et RDP dit, un président qui n'a massacre à Saline, un président, la Cour des comptes établie qui n'a corruption, qui n'a volé le pétro-caribé, nous, pas chita avec elle, nous avons assumé cette position. Mais le 7 juillet 2021, nous avons six politiques. Parce que ce président que nous combattions, président Sparc que nous avons combattu, est mort assassiné et nous pas d'accord. J'ai oublié de là. Et là, on fait une douille par aucune institution qui campait. Parlement dysfonctionnel, la justice dysfonctionnelle. Seule façon pour sortir, c'est le dialogue. Alors, parce que nous avons prôné le dialogue, parce que nous avons signé l'accord du 11 septembre, yo calonne, vous voyez, coup de ressort. Je dis à même Monsaïo, je dis. Pour qu'il rentre dans le dialogue là. Eh bien, félicitations. Et on a parlé matin avec M. André Michel. On va continuer avec l'interview. Et puis, on a demandé tout à l'heure. Il dit qu'il n'y a pas du barbecue qui était proposé Ariel et Jovenel Moïse, Ariel Henry. Mais je me souviens par la suite, on a dit pour qui ça, Ariel Henry. Le premier ministre, c'est pas Claude Joseph et le Sam, où t'es dit que c'est avec appui international là, autant que me rappeler, mais on va démentir pour moi. Comment capable de soutenir un monde international proposé et en tant qu'avocat peuple et ou même on va soutenir à travers un accord de science? Voilà. Alors, on relance deux questions et barbecue, là, et bien que là, il y a plusieurs messages qui arrivent, je nous cap fait et rappelle que, ou t'es dit, et c'est barbecue qui t'est proposé Jovenel Moïse, Ariel Henry, ça vous démenti? Vous démenti ça? Oui, vous dites à aucun moment, il n'était pas question, mais par la suite. Le message n'existe pas. Mais par la suite, pour nos déclarations d'après le Fenerico journaliste, vous admettez que et si Ariel Henry là, c'est parce que c'est international là qui voulait là, non? Mais bien sûr. Oui. Oui. Mais comment capable de soutenir un monde où on est, c'est international là qui voulait, alors que c'est avocat peuple qui a défendu l'intérêt peuple. Un monde international là soutenir. Un monde international là soutenir. Pas l'intérêt peuple et. Non, plus sérieux. Mm-hmm. Très sérieux, là. Ouais. Madame Dédi. Le Jovenel Moïse mourit. Exécuté, Claude Joseph était au pouvoir. Et Claude Joseph ne voulait pas remettre le pouvoir à Ariel Henry. C'est la vérité. Pour accéder à la primature, pour prendre cette fonction, c'est la vérité historique, Ariel Henry bénéficiait du support de la communauté internationale. Maintenant, comme on dit, parce que Ariel Henry bénéficiait du support international, comme on va supporter, ça, c'est une plaisanterie.
Jodia, nous deux plaquements de communauté internationale, la ville et des nains, combattant, combattent l'insécurité. Oui, parce que le gouvernement l'a dit. Non, parce que le pays ne peut pas. Parce que son pays, PHTK, gangsterisé, PHTK, crevé. Ça veut dire que ça qu'on est d'accord, Jodia, tout ça qu'on a fait en Haïti, c'est la communauté internationale qui paye un support. Même les pays employés, c'est la communauté internationale qui paye un support dans le budget. Tout ça pour nous faire, c'est la communauté internationale. Qui est-ce qui a fait le policier pour nous? La communauté internationale. Qui est-ce qui a aidé conduit blindé, nous sommes achetés au Canada, c'est la communauté internationale. Oui, mais cela veut dire quoi? Aujourd'hui, la communauté internationale, c'est une réalité. Mais attendez, Michel, c'est la communauté internationale, ça, avant sous Jovenel Moïse, l'œil au fond déclaration qui est en faveur de Jovenel Moïse, nous avons traité, nous avons qualifié de ingérence. Comment? C'est même communauté internationale, ça, sous Jovenel Moïse, l'œil où tu es en position en faveur de l'administration Jovenel Moïse, là, dans l'intervention, nous avons qualifié de ingérence, que n'a pas respecté la souveraineté Haïti. Ce bien pour qui ça, nous avons choisi avec la plus grande rigueur et peut-être avec la plus grande agressivité. Il y a des gens qui même qui nous sont trop agressifs. Nous avons pour qui ça, nous avons choisi qu'on date Jovenel Moïse sans aucune concession. Il y a eu le massacre de la Saline. Il y a eu le. Mais quel massacre soit Ariel Henry tout, quel massacre qui fait la plaine, quel plusieurs massacres qui fait soit Ariel Henry tout. On ne va jouer, madame Alex. Non, mais nous ne va jouer, Michel. Sous Ariel Henry, il y a massacre tout. Il y a massacre qui fait la plaine. Il y a plusieurs massacres qui fait sur le souci de soleil. Mais de quoi nous parlons? On va jouer là. On a fait du rappel. De quoi nous parlons? Nous parlons de massacre d'État. C'est-à-dire, on a fait du massacre la salienne, un massacre qui a été planifié par un pouvoir politique. Et on a parlé de situation de violence qui vient dans des quartiers, côté, il y a des dommages collatéraux, il y a des gens qui mourent. Documenté par toutes les organisations de droits humains.
Et bien, il y a non. Parce que vous avez un rapport sur vous, parce qu'il n'y a pas de tout. En plus, il y a en face de Jovenel Moïse, tout également. Non, mais moi, tout allez, mais tout pas à obliger en face de lui. C'est là pour le massacre de la famille. Souvent, tout rapport qui fait, c'est des rapports qui disent très clairement, c'est des massacres brutales. C'est pas un monde qui parle d'un monde qui font un rapport sur vous, parce que ça a tout dans les droits humains. Il ne faut pas mélanger les serviettes et les torchons, mes chers amis. Oui, madame et Michel, et m'espérer que vous ne pouvez pas interpréter ça comme un jouet, mais puisque là, on a fait rappel, tant pour Jovenel Moïse, ta président Jean-Yves là, nous avons pitouré du pays ensemble, Jovenel Moïse, son petit vagabond, n'importe côté de croisé, sous clou soufflette, ça, c'est déclaration, jusqu'à ce qu'on t'a pas fait éloge pour barricade l'ordre, dit que c'était avenir jeune, déclaration, ça va suivre. Je dis à maître André Michel, puisque il y a deux monde qui jusqu'à présent dit malheureux pas dans fait. Est-ce qu'on regrette une série de déclarations ça ou bien s'il t'a venu, je dis à pour faire même déclaration ça ou t'as fait le même genre? Bon, contexte politique a changé. Contexte politique a changé. Nous, on va se retrouver. Vous voulez? Parce que là où petit mot des affaires, au pouvoir. Non. Le contexte a changé et il faut être sérieux avec cette interview. Le contexte a changé parce que je dis, ils n'ont pas gagné un pouvoir criminel qui a fait des massacres dans les quartiers populaires. Le contexte a changé parce que je dis, même si vous parlez d'un gouvernement, ça, ou pas établi que aucun gouvernement là, dans la corruption, que la Cour des comptes a couru derrière. Au contraire, ce gouvernement est en train de mettre de l'ordre dans la gestion des finances publiques. Et pourquoi? Août 2022, le gouvernement se fait une recette extraordinaire à la douane. Ils ont doublé la recette de la douane pour la première fois. Ça s'est produit dans l'histoire de ce pays. Mais depuis la douane, c'est vrai. Depuis la douane fermée, recette la double est certes, mais depuis après, douane non fermée là. Comment la recette là est pour qu'on y a là? Douane non fermée parce que, tu vas être d'accord avec moi, les gangs qui ont été mis en place ont pris le contrôle du pays pendant les deux derniers mois. C'est au bloquage de l'hôpital, c'est au bloquage de tout bagage, c'est au bloquage de la rue, c'est au bloquage de tout bagage. Et c'est une raison qui poussait le gouvernement à solliciter l'aide internationale pour faire face à la situation sécuritaire et humanitaire. Et c'est ça que fait. C'est ma réponse. Voyez-moi si vous voulez. Parlons de questions. Je vais retourner sur la question de douane, qui c'est un plus gros exploit que moi, vous vantez en pile, gouvernement. Non, mais laisse-moi terminer, M. André Michel. Oui. Non, mais parce que vous parlez de progrès, et vous parlez de progrès, c'est pour les surprendre, c'est la douane. Madame Alexandre, pas encore mon exploit. Moi, je dis, voici ma méthode. Quand on veut construire un pays comme Haïti, qui est pratiquement à terre, quand on veut le reconstruire, il faut commencer par le commencement pour répéter mon feu professeur René Durand, qui était toujours dit ça. Laisse-moi terminer. Il faut commencer par chercher moyens politiques. Parce que pour chercher moyens politiques, c'est à travers les recettes de l'État. Après, encore mon histoire, comme si c'était Jésus-Christ retournait. Ok, justement, parlant de recettes de l'État, nous gagnons 40 000 emplois. Dans le secteur sous-traitance là, employé dans le secteur sous-traitance qui est actuellement chita là à cause du conteneur pas qu'à rentrer. Pas qu'à rentrer pratiquement deux mois depuis au fermé, il y a seulement 15 à 20 000 ouvriers qui pas travaillent là qu'on y a. Nous, on a toujours rentré ça dans le cas de progrès la douane, non? Non, mais ça peut passer. Moi, c'est le gouvernement. Dans deux mois se passer là, économie pays a pris un gros coup. Et dans tout le monde qui déjà fait du turbio, et moi-même, si gagne une exigence que je me fais matin publiquement à gouvernement, c'est que le ministre de l'économie et de la finance, le ministre du commerce et de l'industrie, et avec l'autre ministère, ministre de l'éducation nationale, il faut qu'ils mettent ensemble pour faire évaluation de situation. Pour y avoir une autre situation, nous, il est sur le plan économique et financier, après deux mois, mouvement Bois-Calais, mouvement gang qui se passe là, combien de jobs qui payent?
perdu, combien de corps nous perdu. Nous perdu en ville corps, il faut faire cette évaluation. Comment pouvons-nous faire évaluation à le parler, parce que nous sommes une équipe très scientifique. Mais j'attends l'évaluation du gouvernement pour savoir exactement qui ça va faire à coûter non, en termes de perte. Il faut attendre l'évaluation du gouvernement. Oui, oui. Même si l'évaluation, ça, on est capable de faire sur 3 mois payer l'Ox sur Jovenel Moïse. On devrait combien. Comment pays a été perdu, comment l'économie a été affaiblie. Effectivement, effectivement, Pierre, il a gagné un gros mouvement l'Ox sous Jovenel et Moïse qui ont été faits. Mais il ne faut pas jamais mélanger la serviette et la torche. Mouvement l'Ox sous Jovenel Moïse, là, c'est un mouvement populaire, c'est pas un mouvement chef de gang. Si l'État a décidé de supprimer subvention, retirer subvention sur gaz, tu as toujours une population qui prend la rue. On reconnaît qu'on bâtit dans la population hein, qui était dans la rue, qui n'était pas d'accord avec la décision du gouvernement. Et vous comprenez. Mais quand nous tous sommes d'accord que ce mouvement a été rapidement récupéré par les banques. Et c'est à la population à l'école un mouvement rapide, parce que ouais, finalement, le mouvement a été récupéré par les banques. Et comment ça va orienter yo? Ah! Tu fais rien là, avec un pays en mouvement comme ça? Non, t'as dit, on a fait ça. Les gammes sont très puissants, donc un corps, le contrôler en bande quartier, yo a travaillé avec des politiciens, yo a travaillé avec des mondes dans le secteur privé. Ah, écoutez, yo ont puissance de feu. Monsieur Rapiti. Anel Joseph est sorti parcouru presque tout le champ de masse dans la passe de Radio Caraïbe. Donc l'opposition, on a dit c'est pouvoir qui devait être dehors pour être capable de pas crédible mouvement de protestation qui était à l'époque. Ah, mais on est content, on vient avec question ça. Mouvement pays l'Op 2019 là, que nous-mêmes nous sommes pratiquement à diriger, à orienter à notre population, nous avons fait tout effort qui est possible. Nous avons fait tout effort qui est possible en termes de communication pour empêcher chef gang de rentrer dans le mouvement. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans le cadre d'une bataille populaire, d'une bataille démocratique. Et attention, mouvement 2019, la famille, comment nous déclencher? C'est un mouvement qui déclenchait à partir de l'alternative politique que nous s'y sommes mis en balai. Alternative consensuelle pour la refondation de l'État. Le mouvement l'Op de 2019, c'était mon base idéologique, c'était mon base politique, c'était une affaire sérieuse. Ça, c'est Bois-Calais. Gagnons le Bois-Calais. Vous avez dit que le Bois-Calais n'est pas à venir. Même d'accord, tout. C'est un monde dans la population qui était fâché parce qu'ils ont monté dans le monde. Et d'accord avec mon population qui était fâché. Et qui c'est en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, si on retire une subvention sur gaz, on est toujours dans la rue. Le mouvement vient rapidement comprendre que les chefs de gang ont récupéré le mouvement et automatiquement la population retire le mouvement. Oui, ça va empêcher que la décision a toujours qu'aimé. Et au même à côté par où, pas de problème à décision, ou appuyer décision. Nous-mêmes, on est pire. La politique, pour répéter le professeur Leslie, François Maniga de regretter mémoire. La politique, c'est une affaire de pédagogie. Sans question de pédagogie, sans question de méthode. C'est pour parler avec mon nous. Même parce qu'on travaille que le gouvernement fait, que le gouvernement beaucoup de gens fait. Le gouvernement expliqué que l'État haïtien n'est pas capable de continuer à supporter subvention, parce que subvention gaz là, c'est représenter 9 milliards de gouttes chaque mois. 9 milliards de gouttes, c'est plus que 2 fois quantité d'argent l'État a besoin pour payer tout fonctionnaire public, payer policiers, payer professeurs, payer médecins, etc. Et on a travaillé dans l'État. C'était inacceptable. Mais mon travail n'est pas fait. Le travail qui n'a pas été fait et que le gouvernement doit faire,
ce travail de pédagogie. C'est pour le gouvernement dit peuple là, et c'est là moi-même, moi, beaucoup de peuple là, 500%, comme toujours. C'est pour le gouvernement dit peuple là, qui ça le va faire avec l'argent sur pension ça? Qui ça le va faire pour le peuple là avec? Où sont les télégrammes premiers? Est-ce que, avec l'argent subvention, hein, nous allons augmenter la quantité de policiers dans le pays? Là, parce que nous n'avons pas suffisamment de policiers pour le pays à sécurité. Même si nous demandons une force vive, parce qu'on n'a pas une capacité éternellement. Est-ce que, avec l'argent subvention, hein, nous allons augmenter le salaire professeur? Est-ce que le fait que nous retirons la subvention, hein, nous allons négocier avec les responsables de factory pour nous ajuster salaire pour nous capter dans factory? Ça, c'est des promesses. Maintenant, aujourd'hui, je dis, ah, c'est pour le gouvernement dit, peuple là, qui s'en passe avec l'argent de subvention? Mais c'est ça le mandat. Il faut le faire le plus vite possible. Il y a un travail de communication. Mais la journée, t'as pas décision ça, nous dit, c'est décision criminelle. Même Jean-Toulet, ah, mais là, tout va bien. Même Jean-Toulet, nous devons l'État, nous discours, les mots dans l'État, dans le gouvernement, nous devons le discours. Nous devons tirer la main. Non, je vais vous dire quelque chose. C'est quelque chose que si on a quelque chose à apprendre, fait, faut nous apprendre cette politique-là, on l'a chant, et ça me relève pas politique-là. Nous changeons le privé. J'ai décidé de monter gaz là, j'ai dit à Jovenel Moïse Dédi. Jovenel Moïse Dédi, un monde qui monte gaz au peuple là, ou c'est criminel. Et c'est ça en fait, les gens, ou... voilà. Le Jovenel vient passer comme président, il dit privé. Je dis à moi-même, ma position. Le gouvernement doit expliquer à la population. Faut le dire, peuple, qui ça va faire avec le gouvernement? Moi, je souhaitais que comme ça, ils ont utilisé pour augmenter la quantité de policiers qu'on gagne, pour augmenter le salaire qu'on travaille dans l'État, que comme ça, utiliser pour renforcer l'administration publique là, que comme ça, utiliser pour envoyer service à Emonio, pour Emonio de l'eau, pour Emonio d'électricité. Moi, je souhaitais ça. Et c'est ça qu'on fait. Madame de Michel, ou t'as parlé de politiciens ou dit que qui gagnait alors qui peut être de connivence avec gang, et est-ce qu'on identifie de politiciens qui t'as en connivence ou bien cap coré de gang dans le pays? Est-ce que moi identifié quelques nos politiciens ça ou a parlé ou qui identifié? Moi je m'en vais pas dire. Ça veut dire un indicateur de police. Mais dans le cas de la police avec la décision coûte. Non, je comprends. Nous sommes un homme politique, je fais partie du SDP, et nous supportons le travail de la police. Parce que la police a un rôle important, même pas un indicateur de police. L'État, tel que l'existait, les guerriers, le commissaire du gouvernement, qui a une responsabilité de chercher et monter à commettre infraction, il y a des CPJ, il y a la police, il y a le ministère de l'Intérieur qui l'a. L'État, il y a des structures qui vous cherchez qu'on est, qui est monde qui travaille avec bandits.
Elle dit que je vais dans la radio, je vais dénoncer X, Y, Z, que je ne peux pas faire ça. Même si je n'ai pas d'information, je ne peux pas dire parce que je ne suis pas sûr que le délit à 100%. Je ne peux pas faire ça. Je respecte les auditeurs du travail de FM. Mais une dernière question. Et qui position est gagnée sous sanctions américaines avec Canada prend contre Yuri la Tortue et Joseph Lambert? Bon, là encore, je n'ai pas de commentaire. Je n'ai pas de commentaire, Madame Alexandre. Mm-hmm. Je n'ai pas de commentaire pour une raison simple. Pour deux raisons. Premièrement, comme avocat, si je ne suis pas au monde, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne connais pas le fond du dossier, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas chercher qu'on est. Le débat est privé, etc. Et deuxièmement, puisque on dit qu'on va attaquer des missions, nous avons dit qu'on va gagner une radio là qui dérangeait stratégie de défense. Puisque tu vois la justice, tu vois le bâtir une stratégie de combat. Nous avons dit qu'on va gagner une radio là qui dérangeait stratégie de défense. Un, je ne connais pas le dossier. Deux, je ne veux pas déranger la stratégie de défense de ces compagnons. Je n'ai pas de commentaire. D'accord. Eh bien, merci, M. Michel. On va faire des réponses.